Ouais poto, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Hey, je veux que ma mère... Au pire, je te dis radio, viens. Je dis juste, oui. Viens quelque part, ok? Vas-y, parle un peu. Vous allez dans la boutique? Non. Ah, okay. Vous avez vu, il fait une tag de moi? Ouais, bah tu dégages, je vais taguer au-dessus, t'inquiète pas. Tu vas rien taguer. Je vais taguer. Tu vas rien taguer. Tu sais ce que le seul truc que tu vas taguer, c'est ta gueule. C'est toi qui devrais taguer ta gueule, la même fois. Yo, yo, tu dois taguer. C'est quoi cette répartie? Wow. Regarde, franchement, tu dois. Mais pourquoi il tombe du toit? On a carrément dit à ma cassesse. Bon, vous voulez faire une coupe? Bah oui, mais tu travailles pour moi, je sais. Non, jamais de la vie. Bah si. De quoi il parle, le mignon là? Ben on a arraché le coiffeur. Écoutez, bon, vous déjà les balasses, vous êtes des putes, il y a un vagos qui a tagué sur votre coiffeur, vous dites rien. En parlant de ça, en parlant de ça. Arrête! Lèche pas, enfoiré, vas-y. Mais je suis cachard! Putain de truc. Lèche toi avec lèche, lèche. 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 Mais ça va partir aussi, lèche. Mais qu'est-ce qu'il veut ton pote, le petit con orange là, putain? Je vais te shooter, tu vas finir dans la poubelle derrière. Oh petit. Waouh Tranquille. Mais non, c'est bon, boy, c'est bon, vas-y. Non, viens ici. Remonte dans ta chop. Mais laisse-moi. Il va même pas le faire. Il touche même pas les pédales. Je jure, je te tue. Attends, c'est bon, c'est bon. Bande de balasses de merde, je vous baisse tous. Cabron de merde. Nique-le. Non. Si y'a des sens. Taillez, bande de bâtards. Fuis, pars. Pardon. On peut tirer avec nos guns, toi tu peux pas tirer là, gars. Vas-y, essaye de tirer avec ta AK. Vas-y. Oh, casse-toi. Oh, dinguerie. C'est qui lui? Vas-y, montez. Avec vous, voilà. Oui, grimpe à demi, grimpe. J'ai grimpe. Vas-y, grimpe. Tu voulais ton rendez-vous, c'est bon. Oh, Radamel. Putain, tu m'as ramené une portion de gâteau, c'est qui lui? Quoi? Écoute-moi bien, tu veux pas que je te coupe tes couilles, tu vas te calmer. Ferme ta gueule, toi, si tu veux pas que je te coupe le peu de corps qui te reste. Ok, bon. Tu me parles pas comme ça, moi. Ouais, parle pas comme c'est ça. Qui lui, bref. C'est Radamel le gars. Tu voulais ton rendez-vous, c'est bon. Tu l'as ton rendez-vous maintenant. Engare-toi. On va aller dans un endroit. Oh, l'a dit. On va aller dans un endroit. Non, mais enfin, on se gare juste là. Bref, hey. Vas-y, bref, parlez, c'est tout. C'est qui? C'est moi, c'est Miguel. Vas-y, calme-toi en endroit. On se donne rendez-vous amicalement là. Non. Oh. T'es con, bah vas-y, on reste ici, ça y est, au pire, bah les couilles. Tu sais, je t'ai déjà dit plein de fois, tu me fais rappeler, moi quand j'étais jeune, en mode, mais grave déterminé, un peu fou et tout, prêt à tout pour le barrio, etc. Mm-hmm. Moi, je vais te demander un truc. Mm-hmm. Moi, je veux que tu gardes la haine. Tu vas revenir au barrio, mais je veux que tu gardes cette haine. C'est que Sasuke là? Que t'as envers nous, je veux dire. Mais il a fait quoi, Louis? Il va vouloir me tuer? Guero, il a envie de me tuer. Je vais leur dire. Guero, il a envie de lui niquer sa mère et Lorio, il m'a dessous. Justement, écoute-moi. On va faire un truc. Tu vas revenir au barrio en faisant croire que l'AK, tu l'as perdu. Ben l'AK, tu vas me la donner à moi. Écoute-moi. Ce que tu vas faire, et moi, je vais retourner le cerveau au barrio. Je vais leur dire, écoute. Soit il retrouve l'AK, soit il revient pas. Et moi je te donne l'AK. Ah. Mais il aime pas mentir. Tu préfères ne pas mentir ou ne pas vivre? Il préfère ne pas mentir. Je suis pas un menteur, Radamel. T'es sûr de toi? Oui, sûr.
Donc là, tu préfères mourir, là, tu es en train de me dire. Mais je préfère vivre en étant honnête que mourir en étant malhonnête. En gros. Tu n'as pas une autre option? Moi, comme je t'ai dit là, l'Orio, il va pas tarder à sauter. Moi, je sais qu'avec toi, je peux faire de grandes choses. Hein. T'es un mec déterminé, même certes, t'es un peu fou. Mais je peux te mettre bien. D'accord. Tiens. Donc, soit tu me fais confiance. Tiens, hermano. Tu veux les balles qui vont avec? Non. Oui, tu veux? Non, je veux pas. D'accord. Gardez. Il fait quoi? Il fait comment maintenant? Écoute, là, je vais voir Lorio et Guerrero pour voir c'est comment. Je vais essayer de les raisonner. Enfin, je sais qu'au barrio, on m'écoute. J'ai une parole importante, etc. Mais Luis. Luis, il va vouloir me tuer et Guerrero, il a envie de lui niquer sa mère. Tu sais, Lorio, il est parti. Il a même pas vérifié s'il me coupait vraiment les couilles. Il a même pas vérifié. On aurait pu faire semblant. Il aurait pu m'en couper qu'une. Moi, au début, je me suis prononcé pour le faire et j'allais pas le faire. Mais bon, tu connaissais Guerrero, je peux pas contredire sa parole malgré que c'est une grosse histoire. Le même avis que lui. Mais écoute, on va faire ça. Comme je t'ai dit, moi, je suis écouté. Je suis quelqu'un qui a une parole, donc voilà, on va faire ça. D'accord. Bon, tu me tiens au courant. Viens. Viens voir Miguel en speed. Quoi? Viens. Attends, je suis désolé, mais il veut te baiser à 100%. Et ouais, t'as entendu tout ce qu'il t'a promis là? Qui? Et t'y crois là? Qui? Wesh, mais t'es fou, Radamel, est-ce que tu sais ce qu'il représente pour le barrio juste une seule seconde ou pas? Mais tu entends d'art? Mais bien sûr que vous, on entendait! Mais non, tu vas pas entendre d'art. Si, si, oh, je te jure que si. Vas-y, tu peux lui dire, t'as écouté, je m'en bats les couilles. Oh là là, t'es courant, pas? Vous allez trahir l'Orio. On a hâte, écoute. Laisse-moi conduire! Ah oui, c'est marrant, vas-y. Aïe. Vas-y, décale. Vas-y, dégage de la poussière. Ah. Oh, et toi, je vais te tirer dessus, je vais te faire un deuxième trou dans ta calvitie. Hein. Non, moi, je veux la confiance, même s'il y a un million de possibilités où Radamel me tue, je joue Miguel, frère. Bon, on va se voir après, je vais te niquer ta mère, sale vieux de mes couilles, j'arrive après. C'est le père de la présidente, Miguel. Bon, écoute, on se voit après, je finis le braquage et j'arrive, ok? Vas-y. Le père de la présidente? Ouais, Attends, deux secondes. Là, là, viens. Bonjour, c'est vous pour le Barit? Oui. Bonjour. La voiture. Oui. Oui, allez, vous pouvez ouvrir. Oui. Je peux ouvrir, oui. Oui. Monsieur aussi, vous pouvez ouvrir. Ouais, vous en faites pas, il garde juste la voiture. Vous appelez comment? Je m'appelle Albertine. Albertine. Elle s'appelle Albertine, Miguel. Vas-y. Hop là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ceci est un braquage. Videz toute la nourriture que vous avez et entrez. Voilà. D'accord. Un braquage. Ok. Ah merde. Une pastille. Prends une pastille. On t'entend. Un braquage. Voilà. Ok. Vas-y. Ceci est un braquage. Ok. Mais vous savez qu'ici il y a que de la bouffe. On veut la bouffe. C'est ça qu'on est venu chercher. Ok. Daniel, t'es ta cause. Ouais, va mettre dans le coffre de la voiture. Dépêche-toi. Dépêche-toi! Dépêche-toi! Allez! Plus vite tard! Et toi aussi, tu bouges le cul! Allez, vas-y! Ok, vas-y. Pardon, mais moi, je travaille pas ici, je peux pas prendre! T'as dit quoi? Ok. Et bah, tu sais ce que tu vas faire, toi? Tu vas me donner le numéro de ouais. Ok, carré. Loli, il arrive pas à faire une scène! Vas-y. Vas-y, fais vite. Allez, dépêche-toi! Alors, son numéro, c'est. Dépêche-toi! 83 63 83. Dépêche-toi! Ok. Allez, rapido! Le problème, c'est qu'il y a Loli dans le salon et du coup, quand il crie, on m'entend quand il fait sa scène aussi. Du coup, c'est la galère. Ah ouais? Oui. Oh putain. Oh. Allez, dépêcheur! Il y a un deuxième otage à l'intérieur, faites attention! Tout met tout. J'ai tout mis, il n'y a plus place dans le coffre. Allez, grimpe demi! Allez, on y va. On va putain de manger, Miguel! Mais aïe! Oh! Miguel, j'espère que tu sais ce que tu fais. On va manger toute l'année.
Ah ouais, là, on pourra plus dire oh t'as pas un peu de truc à boire, je vais pourrir. On a, elle a mis des bouteilles de coca et des donuts. Oh. Oh. No. Oni-chan. Oni-chan. Allez. Ouh ouh. Oh ouh. Allez. Vas-y. Il a encore ta part. Quoi? Il a encore ta part. Attends, ouais. Oui, il fait que ta part, mais il y a des petits chocs, mais à force sa voiture elle va couler. Hop. Merde, c'est pas encore. C'est pas encore. Bon, t'en pars. Tiens, il est parti de la vitesse. C'était là. Ah non. C'est pas grave. C'est bon, il est nickel. Ça passe pas avec celle-là. Ah, bon. C'est une autre que j'ai vu sur TikTok, mais ça passe pas avec celle-là. Prions et restons là, prions. Préfère, arrête, stop, fais pas de bruit. Miguel, elle est où la cam, Miguel? Dans ton cul. Aïe! Miguel, elle est où la cam? Pas une pardonne. Pas une désolé, Miguel, je suis allé trop loin, peut-être. Hein? Rien. Désolé, Miguel, désolé. Miguel, je suis profondément désolé. C'est pas vrai. La merde que tu as apporté dans ce barrio de merde. La merde. Quoi? Que tu as apporté. Tout le MS-13 qui sont venus ici, qu'on a failli tous mourir. Désolé, Miguel. Je suis désolé. C'est toi, Lorient, qui les a menacés. J'ai rien fait du tout. C'est toi qui les a menacés. Non. Ricky me l'a dit. Si, c'est toi qui les a menacés. Ils m'ont avoué tous les deux, là. Lui et lui, que c'était un coup de E2. Bah, tu sais quoi, Lorio, je peux quoi, te parler. Attends, de moi. Eh bah, je vais te dire non, quelque chose, Lorio. Non, par contre, la tête. Ta gueule, Bernabéu, ta gueule. Lorio, tu sais, c'est quoi ton souci? C'est que tu fais des conneries, tu mets tout sur le dos de Miguel. Alors que toi aussi, t'en fais des conneries, Lorio. Toi aussi, t'en fais. Miguel, c'est pas la victime du barrio, c'est le seul qui a un cœur ici. Et vous lui mettez tout sur le dos à chaque fois. T'es l'avocat du genre. Je parle beaucoup, Hornswoggle. Il a raison. Écoutez-le. Écoutez, parquez moi, c'est toujours moi, Miguel. Ben oui, c'est Miguel le con. On va tout remettre sur Miguel. Quand il y a une bêtise qui est faite, on va dire que c'est Miguel. Quand il y a des problèmes, on dit que c'est à cause de Miguel. Et quand tout va bien, c'est jamais grâce à Miguel. Ben oui, pareil. Non. J'ai su te remercier quand il fallait te remercier, mais là t'es parti trop loin. La maîtresse qui vient ici pour une blague de merde en te faisant passer pour moi, t'imagines? Écoute, Lorio, tout est gras. Une blague de merde. Oui, une blague de merde. Tu comprends? Oui, une petite blague de merde qui est sortie de ma tête. Il me suis dit, tiens. Mais c'est ton ami, tu. Non, mais non, mais Demi, tu comprends pas. Lorio, il est con. Ça veut dire, Lorio, il y a. Lorio, lui, juste, il se dit quoi? Non, Calvicia, Kayate. Kayate. Non, c'est pas toi, c'est pas grave. Mais juste, Lorio, lui. Il est con, il a un petit cerveau, c'est le refé, mais parce que Vertigo il est mort. Si jamais Vertigo n'était pas mort, il serait pas refé. Et si Lorio il avait pas astiqué le chibre de Vertigo pendant toutes ces années, eh ben Lorio il aurait jamais été refé. Ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Non, tu es une cabronne, tu te rends pas compte de tout ce que j'ai essayé de faire pour toi. Dégage d'ici, dégage. Allez tous vous faire enculer. Moi, il est toujours tout fait, il est toujours droit et juste. Dégage de mon barrio et toutes les choses que je vais entendre maintenant par rapport à toi, tu te démerdes. Va te faire enculer. Fais-toi buter, j'en ai rien à foutre. Il est toujours tout fait, moi, pour le barrio, contrairement à toi. Tu te démerdes. Barre-toi maintenant. Non, oh, bête. Ah, Miguel. Oh. Connard. T'es en train de dire qu'on a coupé les couilles à mon pote? Oui. Qui t'a coupé les couilles? Guero. Qui ça? Guero. Guero? Guero. Viens, on va le baiser, ça. Attends, mais on peut pas. Pourquoi? C'est plus compliqué que ça. Coupe les couilles à mon pote? Et c'était il y a 3 jours. Moi, pour me venger, j'ai coupé les cojones à Luis. Il a volé une AK, mais après, il l'a rendu. Et là, je suis allé ce soir. Et il me s'est embrouillé avec Lorio, il est traité de suceur. Et tu vas rien faire? Mais je sais pas quoi faire. Et ben on va couper les couilles à Lorio. Lorio, mais non! Moi je suis une vagosse, moi, même s'il m'énerve. Tu comprends? Et Lorio, c'est le jefe. Laisse-moi énumérer les choses, ok? On t'a brûlé le visage. Oui.
On t'a jeté à une panthère. Oui. On t'a coupé les couilles. Cassé le poignet aussi. Cassé le poignet. Cassé le poignet parce qu'il a ramené une AK au barrio, hein. Je rappelle le contexte. Voilà. Et maintenant. Là, maintenant toi. Big M. Tu peux rien dire? T'as vu ton affiche de recherche? C'est le réfé. Mais tu pèses plus que le réfé. Et tu vas te laisser faire? Mais oui, Nero. Tu acceptes? Les couilles? Miguel, ça veut dire que tu pourras plus jamais. Plus jamais, hein. Mais avec brûler la voiture aussi. Brûler la voiture? La voiture avec la petite. Oui, la VTL. Et tu vas rien dire. Mais c'est compliqué. Nero, il faut qu'on entretienne un dialogue. Et est-ce que tu pourrais parler d'abord, dans un premier temps, à l'Orio, pour essayer de le raisonner, de me défendre? Parce que je crois qu'il réalise pas. Vas-y, je fais ça pour toi. Tu sais, Nero, tu t'es pas là, ça fait une semaine, il était perdu, il savait pas quoi faire. Mais moi aussi, je t'ai pas vu depuis une semaine, pourtant, j'étais là il y a pas longtemps. Il t'a envoyé plein de messages, tu me réponds jamais. À chaque fois, je lui dis Nero, Nero, Nero. Si, je... bien sûr, je veux manger. N'importe. On va s'occuper de la peau. Oui, on va s'occuper. Mais attends, il était avec Demi. Bah mets-le dans ton sac, Demi. Le mets dans mon sac. Attends, passe à côté de lui, on va voir ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut rester avec la présidente ou... Demi. Allez. Tu restes avec la présidente ou tu viens avec nous? Là, je vous rejoins, là, je vous rejoins. D'accord. Je vous rejoins après. D'accord. Je vous rejoins après pour le parachute. Merci okay. Nero, mais il veut pas leur faire la guerre, c'est mes amigos. Tes amigos qui t'ont chassé du barrio. Écoute, non, c'est que l'Orio. Pourquoi il lui est mal parlé? Écoute-moi, moi et Donnie, tu peux nous faire confiance, voilà. On sortira de là. Regarde, okay. Miguel, écoute bien, Miguel, tu vois, Nero. Oui. C'est un petit, petit vipère, il aime bien engrainer pour que tu fasses des choses. Mais là, je te le dis, il a raison. Là, vraiment, d'habitude, il aime bien engrainer et foutre la merde entre les gens. Mais là, je te le dis, il a raison. Là, il y a une nouvelle trinité qui vient de se créer, ok? Oui, mais bon, la trinité des caprons, hein, faut pas aller loin. Écoute. Là, c'est pas... Écoute. Laisse-moi nous présenter. À ma gauche, un génie des plans, des braquages de malades, ok? Une tête pensante. Son cerveau, il est tellement gros qu'il doit mettre un casque. Regarde. Un génie. Mario! Regarde. Son oui. Cerveau il bouge, oui, ça vois. Bouge derrière, t'as vu? C'est vrai, ça bouge derrière. Oui. Ça bouge, c'est son cerveau. Il grossit à chaque fois qu'il parle. Quoi? Moi, sombre, sombre, discret, efficace. Et toi, le chef. C'est pas Big vrai, M. Non je suis pas le chef. Accepte le rôle. Non c'est toi le chef. Le mec. Non le c'est pas vrai, le plus... ça n'a pas de écoute, sens. T'as peut-être pas de couilles, mais t'es celui qui en a le plus dans cette ville. Mais c'est pas vrai, c'est toi le chef. Écoute. Moi, ouais, quand je regarde la non, télé. Non, par contre, attends. Non, ça va refaire une brabus cette histoire. Non. Ah oui, non, moi, je suis pas le chef. Après, les gens. 30% chacun. Ben oui. Moi, je suis d'accord. 33 chacun. 33 chacun, c'est parfait. Non. Mais si, après, les gens, ils vont dire tu refais les mêmes persos, tu fais le winner pay, c'est bon, y'en a marre. Je suis une victime, j'ai fait du loser pay. C'est bon, terminé. Donc, je suis pas le chef. 33, c'est parfait. 33, parfait. Ok, 33%, ok. Mais à partir de ce syndicat, de ce groupe secret, nous allons faire les choses en grand. On s'appelle okay. Comment Les cauchemars. Ça pue la merde. Ouais, Mario. Je sais pas. Oh, j'ai besoin de toi là, Miguel, tu m'entends ou pas? Pourquoi? Radamel, il s'est fait kidnapper. Il s'est fait kidnapper par qui? Y'a trop de down ici, y'a trop de billes. Par qui? Par des gars, ils font une bijouterie, tout ça, et ils l'ont kidnappé là. Ah, mais c'est pas grave, c'est juste un otage. Non, parce que d'après ce que Gonzalo il m'a dit, ils en veulent vraiment. Ils l'ont relâché lui, mais y'a Radamel, ils l'ont gardé quoi. Et ils sont encore à la bijouterie? Ouais. Ok, on arrive.
Y'a Radamel, il s'est fait kidnapper. Radamel, c'est mon frère. Radamel, il avait pris ma défense. Non, c'est vrai. Mais par contre, oh, y'a un problème, les hermanos, demi-nero. Parce qu'avec les Vagos, on construisait une scène pour faire un concert. Mais maintenant, ils peuvent plus m'aider. Du coup, y'a besoin de vous. T'inquiète, je connais des mecs qui organisent des concerts. Oui, mais je me suis associé avec John pour qu'il me passe le matériel. Vous allez m'aider. Libérer Radamel. Libérer. Libère Radamel, ta mère. Libère Radamel. Ou libère Radamel. Alors écoute, tu vas reculer doucement parce qu'il y a les flics et Yannou. Il te baisse toi, les poyos, cabron. Voilà. Vous prenez avec vous et vous reculez. Eh ouais, reculez. Eh oui, tu vas prendre qui en otage, ton cabron, hein. Eh, tu vas prendre qui en otage. Merde, pardon. Écoutez-moi, monsieur. Rangez votre arme, prenez votre voiture, cherchez-les, vous inquiétez pas. Les keufs, vous allez partir sinon on vous tire dessus. Les gars. Les keufs, partez sinon on vous tire dessus. Libérez Radamel. Allez. Oui, allez. Faites un assaut. Des otages. Il faut libérer Radamel, Nero. Fais le tour. À moi, on a fait attention, comment tu crois là. Tu parles là, c'est tout. Non, on va faire un plan. Nero, faut vraiment libérer Radamel. Ok, soit on tire sur les poyos, soit on tire sur les autres. Et après, ça va faire quoi si on tire? Hein, ils vont penser que c'est les Autrichiens qui tirent. Pourquoi ils viennent vers nous là? Ils nous voient? Bah oui, je pense. Marthe, couchez-vous! Oh, wow. Oh. Allez! Oh, allô? Mais quelle agression, je comprends rien ce qui se passe. Moi, il veut tirer sur les pneus, d'accord? Quoi? Attends, je suis sur un toit là. Ouais. Oh non! Comment je me lève? C'est pas nous! Il vous tire dessus. On dirait que c'est nous, mais c'est pas nous, hein! Je vous promets! Perdez pas de temps! Monsieur. Oui, mais c'est vraiment pas nous. Ouais, non, bien sûr. Cependant, il y a les ravisseurs qui souhaiteraient que vous descendiez du toit parce qu'ils menacent de tuer un otage parce que vous êtes là. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent pas de personnes. D'accord, écoutez-moi. Quand la course poursuite elle va démarrer, je vais tirer sur les pneus, d'accord? Non, mais ça peut mettre en jeu la vie des otages. D'accord. Bon, on descend d'art. Mais c'est pas nous qui avons tiré, hein! D'accord, mais descendez de là, s'il vous plaît. Pardon, oui. Reste ici. Les poyos, ils m'ont vu. Ah oui, tu t'es mis devant, t'as levé les mains. Oui, mais il est fait exprès. Pourquoi? Pour qu'ils savent. Moi, ils savent qu'on est avec eux. Putain, ton entrejambe est plus. Bon, arrête. Non, c'est vrai, l'odeur elle est infecte. Ah. Nero. Quoi? Mets-toi en face de lui, s'il te plaît, je t'en supplie. Non. Ah si, mets-toi en face de lui. Rapproche-toi de moi, Domi. Regarde. Chut. Y'a des gens. Des gens qui arrivent. J'entends dehors. Bouge pas. Hey, t'es cerné. Mais on est avec vous. Chut. On vous aide. Mais non. Arrête. Chut, les boyaux, chut, ils vont savoir qu'on est là. Chut, on n'a pas besoin de votre aide. Et on surveille que Radamel, il lui arrive pas du mal. On fait rien. On va le sauver, votre collègue. Ça sert à rien, monsieur. On regarde, au cas où. Il y a pas de c'est pas un cinéma. On a le droit d'être ici, hein. Ouais, mais nous, on n'aime pas. Ben oui, mais on a le droit. On va demander de descendre, s'il vous plaît. Voilà. Non, on descendra pas. Si, vous allez descendre. Bah non. Vas-y. On a enfreint quelle loi? Vous êtes sur... Vous avez monsieur là-bas. Monsieur, vous êtes sur... Oui, il y a le droit. Il y a le droit. Non, monsieur, c'est sensible ici, là, pendant qu'il y a une... Non, mais oui, mais il y a le droit d'être ici, hein. Oui, on est posé, c'est notre terrasse, on fait un barbecue. Eh, vous avez pas notre truc à faire, plutôt que de s'occuper des jeunes qui sont sur un toit, qui fument des cigarettes? On fait une barbecue? Ah, on couvre le territoire. Amenez-nous des merguez un peu là. Écoutez, on a reçu un ordre pour faire descendre, donc on va venir vous faire descendre. D'accord, et bah demandez sous quelle loi on a enfreint. Voilà. Et vous êtes sur un périmètre de sécurité. Sur le lieu de braquage. Je veux savoir quelle loi il y a enfreint.
Et là, vous... Je veux savoir quelle loi il y a en frein. Mais vous... Comment on appelle ça déjà? Nous on est là, on se fume une petite clope là. Écoutez, vous êtes sur une opération de police. Oui, mais nous on se fume une petite clope tranquille. Ouais, on se fume une petite cigarette tranquille. Ouais, voilà, mais excusez-moi, j'habite là. Eh, t'aurais pas une indus pour moi? Si, tiens. Merci. Du coup, on pense sur... Donc alors, c'est une entrave à une opération de police alors? Non, c'est pas une entrave. C'est vous. C'est vous, vous êtes l'entrave. D'accord, ça. Bah c'est vous, vous faites l'entrave là, c'est pas nous. Bah oui, c'est vous. Faites l'entrave à l'activité publique. Oui, on est en train de fumer une clope en terrasse, quoi. Voilà, dealer. Chill, les mains, chill. Voilà. Allez, descendez du doigt, s'il vous plaît. Vous descendez, on vous suit. Oui. Let's go. Parfait. Il faut monter sur le rebord d'abord. Quoi, tu vas nous tirer dessus, on va sauter. Vas-y. Non, tu vas rater. Arnard. Wesh. Allez, va avec les... Ouais. Mais pas toi, le gars qui est à terre, t'en rends-toi à genoux. Non, t'es à terre. Quoi? À genoux. Aïe. Oh non. Ok. Oh là. Prends-lui son tel, prends-lui tout. Parce que là, c'est bon, là. Mais appelle un de mes en vrai, genre, qui vient ici. Attends, je te parle là, toi. Vise le mec en blanc. Surveille-le, attends, viens. Bombe. Ok, super. Et pour le reste, du coup? Pas léger. Il voulait vous aider. Fallait pas, monsieur, en plus je vous avais prévenu. Il voulait faire une centaine bombe. C'est bon. Il est parti où le MS? Attendez, je vais vous mettre là, monsieur, au moins vous êtes protégé. Hop là, restez derrière la voiture. Parfait. C'est un baiser, le gars. Tu vas bien? Oui, ça va. Eh, la sauvez pas la femme. Il a raté. Il est parti où le MS, vous l'avez vu, monsieur? Qui ça? Le MS. Ah, le MS derrière là-bas. Arrête de faire le con de mais reviens. T'es où? Ok. Vas-y, viens, il est là, viens. Mais il est où? Ramène-moi à l'hôpital, s'il te plaît, Calvicia, ramène-moi. Vas-y, viens. Ouais, voilà. Il est où? On voulait s'en charge. Viens. Ah ouais, non, viens. Il est où, Nero? Vas-y, venez. Je sais pas, mais je crois qu'il a envie. Il est derrière vous, il est là-bas, il est juste là. Venez. Hein? T'as Ramel? On t'a sauvé? Vas-y, venez. On a réussi! Va à l'hôpital. Mais courez pas, vous en êtes sorti là. La numéro vous allez chercher. Il a pris ses couilles dans le lampadaire! Écoutez-moi. Est-ce que vous êtes pétardé là dans la couture? Pétardé? Oui. Bah, ils vont aller direction nord là. Moi je me fais braquer, Ok, mais ramène-moi à l'hôpital, vite fait. Venger, on va leur tirer dessus. Va à l'hôpital, va. Il y a un EMS là, je sais pas si t'as vu Miguel. Ouais, devant, mais va à l'hôpital. Oui, appelle là, oui, parfait. Regarde, il est là à gauche là. Tout en bas, tu m'as dit, hein. Ah, tu veux le récupérer? Ouais, tout en bas. Mon Renault, il a le mec du camion. Ah bon? Ouais. Tu le vois? Il est là. Non, c'est pas lui. Là, à gauche. Non, lui, il grimpe. Lui, il grimpe aussi, hein. Bah, moi, je veux lui, moi. Y'a oui, elle est ouverte, elle est pas ouverte la voiture à côté? Les gars, y'a des keufs là-bas, y'a des keufs là-bas. Bah oui, je sais. Ah, oui, je sais, c'est... Radamel, prends la voiture derrière, voilà. Il a pas tiré. Va avec lui. Vas-y, monte dans le coffre. Dans le coffre. Prenez-lui ses affaires avant. Monte avec l'autre. Monte avec l'autre. Vas-y, donne-moi tes armes, donne-moi une communication. Voilà, nickel, vas-y, monte avec moi. Allez. Eh, elle est bien la primo custom, hein. C'est conduire au moins lui? Bah, il s'apparte de là, il a dit j'ai fait une demande de renfort, j'ai besoin de vous là. Moi, je suis devant. Vas-y, c'est mon chemin. Oui, repasse, tu vois la ruelle ou pas? Vas-y, je la vois. Tu veux que je repasse dedans? Oui, et tu passes sous le préau? Vas-y, j'y vais. Et par là où on est rentré, hein? Par l'autre côté, hein? Là où il y a les cibles de tir, tu rentres. Bonjour, que paso? Que paso les pollos? Ah merde, vous avez... Ah, vous voulez passer? Merde! Pardon! Vas-y, fais-tu, repasse à droite, Morino. Parfait. Allo? Allo, Ricky? Ouais? Écoute, je vais les aider pour la livraison. Tu les touches pas, ok?
Oui, je les aide, je m'en bats les couilles, je vais les aider. Et bon, arrête, tu vas rien faire, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Oh, eh, wow. Écoute, écoute, je vais les aider, ils vont finir leur livraison et Emilio, je lui pèse sa mère. C'est bon, j'en démarre d'Emilio. Ça y est. Non, non, lui dis pas. Non, lui. Moi, dis-lui que moi, il. Raccroche, voilà. Je vais l'appeler. Moi, Emilio, raccroche. Lui pèse sa mère. C'est bon, moi, je les. Raccroche. C'est bon, raccroche. C'est bon. Écoute, eh, je vais les aider, il va rien se passer. C'est bon, allez. Tu vas voir. Moi, je vais te montrer comment on parle. Je suis impressionné. Moi, regarde Nero, moi, comme il est ton ami, hein, tu vas voir. Tu vas voir. Qui répond par contre. C'était Ricky, hein, que vous aviez. Ouais. Ricky. Vas-y, Nicole. Allô, Ricky. Allô. Oui, ça va, vas-y. Ça va, Ricky. Et ça va, et toi, sans couille. Oui. Ok. Ok, ok. Masser et tout. Bon, écoute jamais, Ricky. Je vais te faire passer un message clair, simple et efficace, d'accord? Bien concis. Vas-y. Tu es prêt? Si il y en a un de vous, toi, Emilio ou ta mère la puta, ouais. Je m'en fous. Hein, voilà! Qui s'en prend, qui touche à un cheveu, une seule, hein? Un cheveu ou une poêle, peu importe. Ouais. Une qui touche, ouais. Qui effleure, ouais. Nero. Ouais. Je t'encule toi, ta. Écoute-moi, 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 écoute-moi. Je t'encule toi, ta mère, ton père, et Emilio, et sa mère, et son père. T'as compris? Je t'encule toi et tout le monde. Attends, attends pas, attends, attends pas. Miguel qui apparemment disait comme quoi il enculait ta mère cordialement. Non, il a pas dit ça. Voilà, il dit si. Il dit si tu touches. Mais si tu touches pas, je t'encule pas. Correctement ta mère. Non, il est dit. Il la ah, attends, attends, attends. Attends, il y a Emilio là. il met son langue, Emilio. Attends, Emilio, il est dit. Non, il est dit. Si tu. Eh, hey, il t'encule, Ricky. Tu comprends ou pas? Il m'en fout. Non. Tu crois tes menaces. Tu crois tes menaces me font de l'effet. Il te baisse, toi et ta mère. Il est toujours dit. Je suis en train de te faire passer un message. Très bien, très bien. Miguel. On viendra te voir après. Tu viens me voir au barrio. Tu viens me voir au barrio, t'as compris? Et y a que Radamel, il est pas d'accord avec ce que je dis là. Mais sinon, tout le reste du barrio, on est unanime. T'as compris ou pas? Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Mais oui, je suis sûr. Tu t'en prends un héros, je te tue, Ricky, c'est la vérité. Tu te rappelles la dernière fois? T'as dit ça, tu t'es fait couper les couilles. Ricky. Tu t'en rappelles la dernière fois, il était en anglais, on a failli te tuer, on t'a laissé la vie sauve, on a été gentil avec toi. Dis-lui, Bibou, On a été gentil avec toi, et là tu veux abuser de notre gentillesse. Ricky, je te répète une dernière fois, tu t'en prends un héros, toi ou Emilio ou ta mère la puta, je te tue, toi et toute ta famille, tu as bien compris ou pas? Ta mère est une pute, ouais. Oui, ta mère est une pute, oui, c'est vrai. C'est très bien. Bref, tu as compris le message ou pas? Dis-moi oui, j'ai compris le message. Oui, j'ai totalement compris le message. Super, maintenant que tu as compris le message, fais attention à ce que tu vas faire, parce que sinon il va y avoir des conséquences de fou. Moi, je vais te dire, Ricky, il y a des connaissances avec toute la ville. Ça veut dire, demain, tu t'en prends un héros, tu t'en prends à moi, tout ton business, il le fait ton barreau. Les ballasses, fini. Familise, fini. Nero, fini. Autrichien, fini. Vagos, fini. Tout, fini. Donc fais bien attention, moi, je te le dis. Il y a des contacts très haut placés, et vaut mieux m'avoir dans son camp plutôt que en ennemi. C'est bon, il a terminé. Il est en train oui, de se l'écoute. Il est terminé, il est terminé. Eh, hey, hey, très bien, très bien. À tout à l'heure. Ouais, oui, à tout à l'heure. Voilà, bébou. C'est bon, il est fait, Nero. Il est fait, Nero. Il est dit. C'est moi, c'est Miguel. Tantôt reviendra. J'ai bon. Simplement une question. Qui l'a ramené exactement? C'est moi. C'est toi qui prends la responsabilité. Non, c'est pas vrai, c'est lui. Très bien. Kayate, c'est lui. Messieurs. T'es parti pourtant en bon terme. J'avais confiance en vous et vos compétences. Même si, Donnie, tu as raté deux braquages comme une grosse merde. Je t'ai fait confiance. Quoi? Toi, ici, non. La dernière fois, tu es intervenu avec ton ami. Je vous ai fait des éloges. Je vous ai fait confiance. Hein? Je parle à toi, là, ici. Et à toi, là-bas. J'ai oublié vos noms, déjà. Mémoire corto. Et toi, Nero. Ouais. Quelle déception. Une pourquoi? Simple mission et vous n'êtes pas arrivé à la hauteur du nombre que je vous ai fixé. Laquelle des missions? En fait, je peux pas trop parler. Les 8 tonnes. Parce que si je parle, on va m'entendre dans le micro de Loli. Malheureusement, comme je l'ai dit à Ricky, je suis obligé de rester un peu silencieux. Les livreurs ont fait leur travail, mais certains ne l'ont pas fait aussi.
Du coup, c'est le chef de... des transporteurs qui est en train de dire de remettre la faute sur ses livreurs. Je n'arrive pas à comprendre. Non, c'est notre faute à tous. Le chef et les transporteurs. Bon. Je crois de toute façon, la livraison, on comptait la finir ce soir. N'est-ce pas, John? Lundi. Bien. Oui, oui. Moi, j'avais tout prévu ce soir. Je pensais que c'était lundi. J'ai eu un problème dans mon agenda. Des problèmes dans l'agenda. Un agenda très chargé, monsieur John. Ah, ça me revient. Ce n'était qu'un détail, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton poids américain? Range-le. On a quand même fait 5,5 tonnes en même pas une semaine. C'est quand même incroyable. C'est bon. Range. C'est bon, c'est bon. C'est juste pour voir. J'ai des problèmes aux yeux. Maintenant, on devait avoir un livreur qui devait s'occuper du reste, mais voilà quoi. Ouais, j'avais rendez-vous à l'hôpital. C'était vraiment une question de santé, monsieur. Hein. J'allais tout faire ce soir. Oui, c'est vrai, il allait faire. Embarquez-moi cette merde. Mettez-lui une cagoule sur la tête et embarquez-le. Pour c'est ça. Aujourd'hui. Non, non, c'est non, c'est pas vrai. Non, non, Emilio, non, recule. Non, recule. Non, recule. Non, 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 recule. Attends, Emilio, écarte-toi, écarte-toi, je te mets le bandeau dans la tête. Viens là avec moi. C'est de ma faute. Non, Panero. Nero, tu es trop fort par ici. Panero. Un petit séjour avec Bagheera lui fera sûrement du bien. Panero. Quoi? Nero, mais non. C'est notre faute, c'est pas de la sienne. Pour ta madre, suis-moi. Nero, qu'est-ce qu'on fait, Nero? Qu'est-ce qu'on fait, Nero? Contre toi, petit. Les gars, mettez-lui une cagoule sur la tête. Les gars, prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on fait, Nero? Mais on fait quoi? Ricky. Bon. Ricky, c'est pas de sa faute. C'est pas de la mienne non plus. J'ai rien à voir avec ça. Nero, un mot. Bon. Vous voulez revoir Nero? Oui, on veut. Oui, oui, oui. Ils veulent revoir Nero vivant, Ricky. Il va rentrer à Caillou. Est-ce que pas de revenir? Vous êtes conscient. Il manque 2 millions, je suis un homme reclos. On a dit, ça me permet de voir Loli IRL faire Emilio. Donc la semaine prochaine, ce sera 10. Qu'est-ce que t'en penses avec tout ça? Oui, oui, 10 tonnes, oui. Ça peut être intéressant. Emilio! Mets lui une cagoule sur la tête. C'est la vérité. Oh, pourvu qu'il meure pas, pourvu qu'il meure pas. Il va crever, le connard. Ah! Il est juste un peu fou. Allez, Dar! Allez, Dar! Non! Allez, Dar! Non! Non! Aïe, Aren! Aren! Retire sa cagoule. Aren! Non! Retire sa cagoule et qu'il dégage tout de suite. Retire-lui sa cagoule et qu'il dégage tout de suite. Allez, Dar! Il se casse de là. Jette-le à l'eau, jette-le à l'eau. Por favor! Aren! Scuyache, scuyache, la de puta. Allez, Dar! Pelo, il m'a bloqué, Pelo! Allez, Dar! Por favor! Por favor! Je suis bloqueur! Viens! J'y arrive pas! À la limite! Vas-y! J'y arrive pas! À la limite, attends! Colle, colle! Oh! Tu tombes aussi? Attends, Dar! Je voulais porter! Non! Attends, Dar! Attends! À l'aide! À l'aide! Non! Ah! Oh, il réussit! Aide-moi, porte-moi! Oui, Ben, Ben. Attends. Benaki, Benaki. Là, oui? Oh! Oh, oh non! Oui! Oh! Oh! Oui! Oh! Parfait! Okay. Ramène-toi, fils de joie! Oui? Viens, Miguel. Pardonne. Viens, Miguel, s'il te plaît. Viens, excuse-toi, je t'en supplie. Excuse-toi auprès de Ricky. Non, pardonne Emilio, Ricky, lui, il m'excuse pas, parce que vraiment, il a pensé ce qu'il a dit. Excuse-toi, Miguel, oui. Je t'attrape par ta putain de c'est pas que tu comprends pas, sale merde. Ricky, c'est mon bras droit. Oui. Tu le respectes pas, tu perds la vie. D'accord. C'est claro? D'accord. Excuse-toi tout de suite auprès de mon ami. Pardonne, Emilio. Eh? Ah, Ricky. Regarde-moi dans les yeux quand tu me le dis, et répète-le bien. Pardonne, Ricky. Très bien. Très hypocrite. Bien, bravo. Très bien. Bravo. C'est bien. Allez, circulez. On va travailler. Il va. 12 tonnes, 10 jours. Oui. Oui. Oui, allez. 10 jours. Prépare ça. Moins,
Je vous laisse 3 mois. Il va vraiment se la manger, sa balle. Miguel, tu vas nous aider, hein? Oui, je vais vous aider. J'ai rajouté 2 tonnes pour qu'il te laisse partir. Merci, Johnny, merci. Je jure. Merci, Johnny. Je vais vous aider, je vais tout faire. Je vais tout faire, Johnny. C'est vrai? Je vais tout faire, tout. Du coup, comme ça, nous. Todos. Vous êtes où? Benga, bateau, venez, vite. Suivez-moi. Y'a les flics, Pelo. Courage. Oh merde, le bateau, il est mal garé. Oh merde, courez. On nage jusqu'à dans la île, d'accord. Dans l'île avec Emilio. Si, nageur dans l'île. Pelo, y'a les flics. Hein? Ah, on arrive dans l'île là, nous, hein? Tu t'es TP? Mais non, reviens, wesh! Il tire sur demi. Courage! Y'a une pince, hermano, parce que ça me casse les couilles. Attends, arrive avec la pince. Clic! Ok, allez, passe dans le trou. Venez. Voilà, passez dans le trou, parce que sinon on va rester jusqu'à 4h du mat. Demi! Ah oui, je suis là. C'est bon, ah oui, parfait. Venga. Les gars, vous vous rappelez? Les gars, vous vous rappelez? Mais dis pas, ils sont fermés. Non, merci, mon frère. Un camion comme ça, ça suffit ou pas? Il faut plus gros. Ça, c'est un camion en glace, c'est un vrai camion. Ah oui, merde. Ah, quoique, ça peut suffire. Non, ça, parfait, regarde en face. Ah, ça c'est parfait, ça. Descendard, hijo de puto, je te vole ton camion. Il va te tirer à 3, 1, 2, 3. Les hermanos, moi je vais avec Johnny, on va décharger et on se rejoint après, d'accord? Va, vas-y. On va vers le phare. Mais wow. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, il te disait, Johnny, si toi tu veux te faire de l'argent, parce que moi il ne vais pas gagner de l'argent, c'est une concert sauvage. Moi on m'a dit, okay. Tu fais le concert, mais c'est pas moi qui gère. Attends, il m'appelle, Johnny. Johnny, quoi? Aïe. Mais là, on va juste déplacer des caissons. Allô? On va déplacer du matériel musical pour le concert, c'est tout. Ah non, on s'en bat les reins, faites ce que vous avez à faire et après on se capte dès qu'on a fini ça. Ah désolé, je me suis perdu. Pas grave, dépose, t'inquiète. Il en reste un. Merci mon ref. C'est bon, t'inquiète, pose-les, je vais le faire, t'inquiète. Merci mon frère. Parfait. Super. Ah ouais. M'avait dit. Allez, c'est parti. Oh merde. Oh putain. Ah, comme ça, il y en a plus. Il sait parfaitement ce qu'il a fait. Hop. Oh. Ok, c'est bon. Ok, c'est parfait. Bien, hein. Merde. C'est bon. Tu vois pourquoi, merde? Là, t'aurais dû me dire. Hé, Miguel! Tu fais quoi, cabron? Pardonne! Pardonne, Johnny! Enculado! Pardonne, Johnny! Là? Moi, j'ai pas envie de décharger, donc tu vas décharger tout seul. Quoi? Ah, d'accord. Ah, tu m'as dit d'être Dark Johnny. Oui, pardon, Johnny. Allez, décharge. Tu vas prendre la confiance, ce petit bâtard, là.
Il va assez vite, Dark Johnny. Non, pas assez vite. Pardonne, pardonne. Doucement avec le matériel, doucement. Allez, allez, allez. Attends, il vide les cartons. Doucement avec le matériel, hein, tu fais attention. Oui. Il vide les cartons. Dark Johnny. Oui. Dès que tu vas danse. Moi? Mais toi, tu as pris la confiance, Dark Johnny. Danse. Ah, c'est comme ça. Danse. C'est comme ça, d'accord. Cabron. Oui, je danse. Voilà. Ouais. Je danse. Hey. C'est bien. Oui, voilà. Oui. Tu vois le payard? Oui. Tu vois le payard, Dark Johnny, tu vois le payard. Tu vois le payard. Il est là, il est là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Est-ce que t'as un bateau à disposition? Oui, je peux te donner un renseignement, mais c'est quoi? Ouais, un énorme bateau. On peut trouver un truc, ouais. La voiture verte, ouais, c'est la mienne. Ah, tiens, tiens. Mais quoi, le fils? On va te faire un coulé. Moi? Non, ouais, Ricky. La voiture verte, c'est la même, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, toi. Non, non, commencez pas, commencez ça pas. Ça doit pas suffire, enculé. Non, non, non. Toi, tu m'as rien fait, c'est Emilio. Hey, bah non, et ma sécurité, c'est Emilio. Toi, sans Emilio, tu es une puta. Je te pisse dessus. Toi, sans Emilio, tu es une puta. Moi, tout seul, je suis une grand. Toi, tu es une puta. Tu es rien du tout. Tu es une grosse merde et qui n'a même pas de couilles. Tu vas même pas pouvoir baiser. T'as même pas d'essence. Arrête, arrêtez. Dans 10 minutes, là, je suis en train de. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Tu commences à te gratter en dessous des couilles. Johnny! C'est ton problème. Johnny! Oui. Bah, je te dirai. Dark Johnny! Il va rien faire, Johnny. Dark Johnny, viens voir! Il me parle mal, Ricky! Ah ouais? Vas-y, bah John, tu vas faire quoi, Ricky? Très bien! Dark Johnny, qu'est-ce qui se passe, John? Allez, Dark Johnny! Qu'est-ce qui se passe exactement? Comme il t'a appris, comme il t'a appris. Tu vas prendre la défense d'un connard sans couilles et qui risque de mourir demain! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, tu voulais me dire quelque chose apparemment, Miguel m'a dit qu'apparemment tu voulais me dire quelque chose. Je t'ai Tu voulais me dire quelque chose? Donny, t'as déjà dit, je crois. Ouais, bah il veut, il veut te monter en l'air. Ah, tu veux me monter en l'air? Ah, tu veux me monter en l'air? Non, il a dit aujourd'hui je suis Dark Johnny. J'ai dit aujourd'hui. Dark Johnny. Oui, je vais monter en l'air, Donny, je vais le monter en l'air. Ok, d'accord. Très bien, bon. Allez vous embrasser alors dans ce cas. Je peux faire un tour avec ta voiture avant. Attends, Johnny, viens voir, je te montre. Johnny. Quoi? Regarde. Ricky, baisse ta mère, tu comprends ou pas? Avec plaisir, mais je ne sais pas où elle est. Non. Ah ouais, c'est moi, ça marche comme ça. Je t'en coule, Ricky. Non. Bouge pas d'ici. Non. On va voir si tu m'encules. Miguel, arrête. Miguel, arrête. Alors, on va jouer à touche kiki. À celui qui réussit à courir avant que je l'attrape. Oh putain. Hop. Où il est ce petit con? Dark Miguel. Miguel, cours, je te conseille de courir. Dark Miguel. Pourquoi? Cours, je te conseille de courir. Mais pourquoi? Ah, il était là, putain, je cherchais ce putain de revolver. Hey, moi aussi j'ai une arme, hein. Arrête! La foudre, enculé! Tu tires! J'ai une arme, j'en ai rien à foutre! Casse-toi, dégage! Arrête! Dégage! Je te dis de dégager! Je vais lui mettre un one tap, pas soif. Non, je vais lui mettre un one. Là, je joue mon pire, hein. Là, je joue mon pire parce que sinon, frérot. Ricky! J'ai envie de te trouver, fils de pute! Tu te retrouves devant moi, je te frouille, je te fais du putain de gruyère de ton putain de corps! Il peut revenir! Par favor! Il veut dire pardon. Je fais du putain de gruyère de ton corps. Par favor, laisse-moi revenir. Je vais partir. Je ne peux pas te voir. Si je vais te voir, je vais putain te trouer. Mais je il veut dire pardon. Il veut m'excuser. Il veut m'excuser. Il veut m'excuser. Je suis mal à la con. J'en ai marre, putain, je vais péter un câble. Il veut m'excuser. Ok. Attends, il y a Miguel avec nous, viens, on va dans ma voiture. Ah, je vous
Putain, je suis avec des putains d'incapacités. Au revoir, Ricky. Au revoir, Ricky. J'en ai marre, putain. Y'a personne qui a un putain de rail de coke ici. Trouve-moi un putain de rail de coke qui vient au Bahamas. Ramène-moi l'ordre de la putain de coke. J'ai besoin de coke, putain. Au revoir, Ricky. Au revoir. Ouais, j'ai besoin de coke. On va prendre la cocaïne. Let's go. Ah, putain, dégage de ma face, on y va. Oula, quoi? Oh là là. Tu as vu? Peut-être il est couru, mais il a porté mes couilles. Mais non, toi, c'est pas vrai. Regarde. Va te faire enculer. T'as vu? Oui. Mais c'est pas encore ça, Johnny. Mais Ricky, je peux pas. Il m'a tout donné. T'as rien donné. Il t'a niqué ta vie. Ah ouais? Oh oui. Depuis petit, on me fascine. Faut des lovettes pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les coups.